partie où on n'aime pas tout. Donc les autres aussi peuvent les rappeler. Ça marche? Mais dans tous les cas, ça doit venir dans la même durée. Parce que nous, c'est avec les relais en français. Tu as compris? C'est-à-dire que les autres, si ils résolvent des choses quelque part, ils peuvent remplir, mais ils vont envoyer ça aux relais. Donc nous, on prend ça avec les relais. C'est bon? Donc pays, région, département, ici on a mis celle qui est partie au Mali, c'est celle qui est à la place du département. Nous, ici au Niger, c'est département. Donc le réseau, ici par exemple, votre réseau, c'est le réseau Toroli-Macron. C'est ça, ça dit. La date de l'établissement du pays. Nom et prénom des leaders médiateurs. Donc ils vont mettre leur nom. Nom et prénom des parties en conflit. Donc qui et qui sont en conflit? Si ce sont des personnes, un tel cultivateur et un tel, n'est-ce pas? Pêcheur par exemple. Ou bien, si c'est des communautés, telle communauté contre telle communauté, etc. Le lieu où a éclaté donc, le conflit, où le conflit a éclaté. Donc, c'est quel village, ou c'est quel local, ou c'est quelle zone. Ça dépend des endroits. L'objet du conflit, préciser donc le pourquoi du conflit. Qu'est-ce qui fait que le conflit est là? Des décisions importantes prises par pour résoudre le conflit. En cas de résolution, qu'est-ce qu'on a fait pour faire en sorte que le conflit n'est plus? N'est-ce pas? Voilà, donc c'est le nom et signature des parties en conflit. Au cas où les gens s'entendent, donc ils doivent signer que oui, ils ont accepté cette décision à la prise. Donc voilà la signature de votre partie et voilà la signature de votre partie. Nom et signature de témoins. Vous devrez vous débrouiller pour avoir des témoins. Qui témoigne que ça là, les gens se sont entendus en cas de cas. Maintenant, le nom et signature des leaders médiateurs. Ici, là, quand les gens écrivent la main, ils n'ont pas signé. Donc ici, ici. Donc en cas de conflit, donc ça c'est lorsque c'est la conciliation. En cas de non-conciliation, ça veut dire que ici, ça va ressortir ici, dans la décision. Et maintenant vous signez. Donc nous, on va avoir ça pour voir quelle est la complexité qui a empêché. Et de l'autre côté, vous pouvez envoyer les gens au niveau des chefs de village ou bien de la gendarmerie, ça dépend de la situation. N'est-ce pas? Donc, vous n'arrivez pas à faire donc. Donc, on doit savoir que vous avez essayé. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas parce que vous avez essayé que vous allez réussir. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Ce n'est pas toute chose qu'on peut faire. Peut-être à la limite, voir qu'est-ce qui a empêché ou de quoi avez-vous besoin qui vous a empêché de le faire. Est-ce que dans tous les cas, donc, ça signe là. Là, c'est le PV de conciliation et de non-conciliation. Pour le PV de restitution, 2. Si ce sont des animaux, si c'est une moto, si c'est, quelle qu'en soit la chose. Avoir des animaux égarés par le réseautage parce que le concerné a informé un leader, le leader a informé le leader puisque le réseau est vaste, n'est-ce pas? Il se peut que je demande en dehors des recherches à l'effet de tout et maintenant ils envoient les animaux. Donc il faut restituer les animaux au propriétaire. Donc si le réseau a facilité, on doit écrire ça. Nous, c'est un indicateur pour nous qui va que les gens soient à réseautage et qu'ils travaillent. Donc ça aussi c'est la même chose que le pays, la région, le département pour les Niger, le réseau. Donc ici si c'est le réseau là, donc c'est Toro de Makorambi, la date de l'établissement du PV de restitution. Donc là, n'est-ce pas, à Ibié, donc ici c'est la date. À Ibié, à donc là où vous êtes assis pour n'est-ce pas, la restitution. Donc là où on a fait la restitution. Donc la restitution de. Je sais qu'il a été restitué. Donc ça dépend de la situation de place. Le nombre, si c'est des animaux, quel est le nombre des animaux restitués? À qui on a restitué? Est-ce qu'il est propriétaire? Est-ce qu'il est verger? Est-ce qu'il est envoyé? Ça dépend des situations. Vous vérifiez cela. En présence de qui? De façon de dire des témoins, n'est-ce pas? En présence de qui on a restitué? N'est-ce pas? Ça c'est pour se protéger en cas de problème pour que ça arrive. Mais les signatures des témoins, peut-être c'est en présence des autorités, peut-être c'est en présence du maire, peut-être c'est en présence de la gendarmerie, n'est-ce pas? Parce qu'il faut le savoir, en cas de restitution, les chefs de village et les SP savent que ici c'est une procédure qui est prudente. Donc ici, vous retrouvez, il faut informer les autorités, vous les faites à leur présence, il y a un autre travail qui doit faire, qui n'est pas de votre côté. C'est juste que vous avez facilité et que ça vous devez nous transmettre ça à titre d'indicateur. C'est bon?
Voilà, donc en présence de, si c'est les autorités, si c'est le maire, si c'est le chef de groupement, ou si c'est le chef de canton, ou si c'est un chef de village, ça dépend des situations. Donc, quels sont les témoins? Non, les signatures des médiateurs, donc c'est-à-dire des leaders de région, qui ont facilité. S'ils n'ont pas facilité, il n'y a pas les privés, parce qu'ils n'ont pas les gens. Mais si c'est à votre activité, qui est la restitution ou la découverte, c'est-à-dire, donc là, vous signez. Donc, si c'est pas vous qui avez fait en tant que réseau, c'est pas grave. Non, les signatures. Donc des personnes bénéficiaires de la restitution. Donc qui est qui bénéficie? Il se fait qu'ici on a donné au berger, maintenant à qui appartiennent les animaux? C'est ça, ou à quelle communauté? Ou à quel groupe? Ou à quelle femme? Tout ça. Donc s'il y a des observations aussi, ça, vous les signalez. Le gars a été pris, après, parce que si c'est un vol par exemple, on a retrouvé des animaux volés, pas de réseautage, là l'observation c'est que la personne a été. La gendarmerie, la police, la police, la été condamnée. Ou d'autres observations que vous aurez donc, à nous rapporter, ça vous permet de voir que la dynamique et de voir